Alors ici j'ai représenté un certain nombre de, de petits carreaux comme ça, en fait je les ai regroupés par, par groupe. Alors ici en fait ça c'est un groupe de 100. Là j'ai les, les bandes, chaque bande jaune c'est un groupe de 10, et puis là j'ai des, des carreaux tout seul. Alors en fait ce que je vais commencer par essayer de déterminer quel est le nombre de carreaux ici au total. Alors je vais faire comme ça, ici j'ai d'abord... Je vais l'écrire comme ça. Ici, je vais compter combien j'ai de groupes de 100. Hein. Donc, chaque grand carré ici, c'est une centaine de petits carrés. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 groupes de 100, donc 4 centaines. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Les carreaux violets ici, il y en a 4 quatre, quatre centaines, donc 400 en fait. Hein. Ensuite, j'ai... Les bandes jaunes, chaque bande jaune représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits carreaux. Donc c'est une dizaine de petits carreaux. Donc ici j'ai 1, 2, 3 dizaines. Donc je dois ajouter ces 3 dizaines, donc plus 3 dizaines. Et ensuite bah, j'ai ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc ça je vais l'écrire comme ça. C'est plus 6 carreaux, donc plus 6 unités. Voilà, ici groupe de 1. Alors ici c'est exactement ça, hein. donc c'est 4 centaines, 3 dizaines et 6 unités, donc 4 centaines plus 3 dizaines plus 6 unités. Alors ce nombre là, ben, j'imagine que tu le sais déjà, en fait ça c'est le nombre 436. 4 centaines ici, 3 dizaines ici et 6 unités là. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une soustraction à partir de ce nombre-là. Donc je vais prendre mon nombre 436 et je vais lui soustraire un autre nombre. Alors par exemple, je vais faire cette opération-là, 436 moins, alors on va dire par exemple 312. 312. Il faut que je respecte les couleurs, les unités en bleu. Voilà. Alors je vais essayer de faire cette opération là. Donc 312, je vais commencer par me dire bon, qu'est-ce que c'est que 312 ben, C'est 3 centaines, euh, une dizaine et deux unités. Donc je vais en fait euh, faire ici. Je vais enlever trois centaines. Voilà. Ensuite je vais enlever une dizaine. Puisque quand j'enlève le nombre 312, j'enlève trois centaines, j'enlève aussi une dizaine et j'enlève deux unités. Donc il faut que j'enlève aussi moins, que je fasse aussi moins deux unités. Voilà. Alors je vais commencer par faire cette opération ici, hein. pour que ce soit un peu plus clair, je vais faire des petits voilà, séparations. Voilà. c'est plusieurs manières de voir la même opération. Alors, je vais commencer par enlever, par faire ça, 4 centaines. Si j'ai 4 centaines et que j'enlève 3 centaines, je peux le faire, hein, je peux me représenter. Là, j'ai 4 centaines, je vais en enlever une. Par exemple, je vais enlever celle-là. J'en enlève une deuxième, par exemple celle-là, et puis une troisième. Donc, j'avais 4 centaines, j'en ai enlevé 3, il m'en reste une. Hein, il me reste uniquement celle-là. Donc là, j'obtiens une centaine. Voilà. Alors ça, tu pourrais le voir ici aussi, puisque si tu as 4 centaines et que tu en enlèves 3, ça fait 4 moins 3 centaines, donc il me reste ici une centaine. Voilà. Donc maintenant, je, dois, je vais passer aux dizaines, donc je dois j'ai mes 3 dizaines et je vais en enlever une. Alors je peux me représenter en me disant, bah, je pars de ces 3 dizaines et j'enlève par exemple celle-là. Finalement, ce qui me reste, c'est ces 2 dizaines qui sont là. Donc j'avais 3 dizaines, j'en enlève une, il me reste 2 dizaines. Donc je dois ajouter deux dizaines puisque j'ai une centaine plus ces deux dizaines, et puis maintenant il faut que je regarde les unités. Alors ça, tu pouvais le voir ici aussi, hein. j'avais trois dizaines, j'en enlève une, donc j'ai trois moins un, ce qui fait deux dizaines. Ensuite, il faut qu'on regarde les unités maintenant. Alors j'avais six unités, j'en enlève deux. J'ai les six unités qui sont ici, je vais enlever par exemple celle-là et celle-là, et bien il m'en reste 1, 2, 3, 4. Donc il me reste quatre unités. Voilà. Donc finalement, j'ai une centaine, deux dizaines et quatre unités, c'est-à-dire une centaine plus deux dizaines plus quatre unités. Et là encore, tu pouvais voir ça directement ici, puisque quand tu fais 6 unités moins 2 unités, 6 ben moins 2, ça fait 4. Donc il te reste 4 unités. Voilà. On a fait cette opération-là. 436 moins 312, ça fait une centaine, deux dizaines et quatre unités, c'est-à-dire 124.